Hey les Sims, c'est Sims ça te raconte et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un petit challenge construction, shell challenge, voilà. Le nouveau kit, non c'est pas un kit, c'est le nouveau pack de jeux décoration d'intérieur est sorti et je me suis dit que ça serait intéressant, pourquoi pas, de faire de découvrir ce pack à travers une petite challenge de construction. Donc voilà la le ou la shell, je sais pas trop comment ça se dit d'ailleurs. Enfin, on va dire la coquille, voilà, on va dire la française. La coquille de la construction, elle est très bizarre. Donc, nous avons le premier étage comme ceci et le deuxième étage comme cela. Donc, je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber. On verra bien. En attendant, je vais regarder si la forme me convient parce que c'est pas trop le cas. Je sais qu'il faut pas toucher les murs. Mais je peux créer des terrasses et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais créer une terrasse juste ici. Je pense que ça me paraît pas mal. Comment je vais faire ça? Si je la mets comme ceci, là on est bien. Il faut que je mette de ce sens là pour avoir... C'est pas ça que je voulais, c'était ça, voilà. Et je vais voir comment c'est. Et je pensais peut-être, donc on va prendre d'abord une barrière toute simple. Donc j'ai déjà activé, comme vous pouvez le voir, les codes. Est-ce que je fais quelque chose? Non. Comment je pourrais faire? Est-ce que je fais quelque chose comme ça? Ça fait bizarre. Ah mais oui, parce que là du coup il y a ça. Donc comment je pourrais faire? On va enlever ça en fait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On commence bien, disons. Ça, j'enlève, voilà. Et j'enlève ça, voilà. Ça aussi. Du coup, je pensais peut-être à faire comme une sorte, là je verrai bien l'entrée, donc une sorte ou une terrasse, enfin, quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, le truc est comme ça. On est d'accord? Voilà. Donc là, je pourrais mettre je sais pas comment ça s'appelle, j'ai perdu tous mes mots dans cette vidéo, dis donc, ça commence bien. Un parvent, on va dire, on va appeler ça un parvent, ça s'appelle pas du tout un parvent, mais c'est pas grave, on va l'appeler ça comme ça. Voilà, quelque chose comme ceci, quelque chose comme ça, voilà. Donc déjà, ça me semble pas trop mal. Si on met des petites poutre, on va mettre cela comme ceci. Ouais, ça me plaît plutôt bien. Et en fait, je vais mettre la terrasse ici, je pense, du coup. Ok, on n'est pas trop mal. Donc, je vais faire les toits. Voilà, donc, après une éternité de disposition des pièces, donc voici à quoi ressemble. Là, je vais mettre des escaliers. C'est mieux quand même pour rentrer chez soi. Donc voici l'extérieur comme ceci. Donc premier étage, on va faire rez-de-chaussée. Donc on rentre par ici avec un dressing, toilette séparée, salon, salle à manger, chambre parentale avec son dressing, salle de bain, cuisine. On monte à l'étage, donc on va dire salle de jeu commune avec salle de bain, toilette, une chambre et une autre chambre. Ok, maintenant il va falloir les mettre du papier. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau, voilà celui-ci. Il est très joli, j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli ce... Est-ce que la couleur, je suis sûre... Oh, le vert, c'est parfait. Le vert, il va super bien. On va mettre le vert. Ah ouais, j'adore. Là, j'ai dit qu'il y avait une sorte de dressing. Donc là, on pourrait mettre ce genre de porte. Par contre, là, c'est tout à fait possible. Même celle-là, elle irait très bien. Non? Ouais, elle va très bien. Je peux pas en mettre une double, par contre, parce que c'est pas possible. Oui, voilà, ils sont là. Super. Et du coup, ça s'accroche tout, là. C'est trop bien. Si je mets ça comme ceci... Je peux pas l'accrocher. Pourquoi je peux pas l'accrocher? Ça, par contre, c'est nul. Ok, je peux faire comme ça, mais je peux pas le cacher. Quoi? Pourquoi je peux pas en bas? Il me manque un truc. Je comprends pas. Moi, je veux qu'il y ait ça là. Ça, du coup, en haut. Ça, comme ceci. Et là, pourquoi je peux pas? Je peux le mettre en haut, mais je peux pas le mettre en bas. Pourquoi ça, je comprends pas. C'est bizarre. C'est très bizarre.
Et du coup, pour le mettre à l'intérieur, c'est quoi? Oh oui, c'est ça que je veux. Regardez comment c'est trop mignon, les petites chaussures. Oh, j'adore, c'est trop beau. Il n'y a pas d'autres chaussures bordéliques? Ah, mais j'adore. Ils auraient dû en mettre des côtés et tout, genre... C'est tombé. Ah, mais c'est trop bien. Ah, mais c'était dans l'armoire, hein, parce qu'ils peuvent peut-être se changer. Voilà. Ouh, attention. Elle devient intelligente. Voilà. Là, c'est un peu plus bordélique, on va dire. C'est mieux. Ça me plaît mieux. Très bien. Parfait, même. Ok, donc... qui dit entrée, dit... On va mettre un petit porte-manteau, quand même. Parce que c'est... Ah, c'est même si... ils ont un dressing, il faut quand même mettre un petit porte-manteau, on sait jamais. On va mettre une petite console, celle-là, elle est très jolie. Oh, il y en a d'autres, celle-là aussi, elle est très mignonne. Après, c'est plus des tables de chevet, donc je vais plutôt mettre celle-là. Voilà, on n'est pas trop mal. J'aurais bien voulu un petit pouf, mais... Oh, si, il y a des poufs. Oh, il est magnifique. Oh, j'aime beaucoup. Oh là là, je suis amoureuse. On va mettre un peu de couleur. Ah, oui, comme ça, voilà. Oh, il est beau, il est trop beau. Un tapis, il y a des nouveaux tapis. Oh, oui, c'est quoi le tapis? Celui-là. Oh, il est trop mignon. Oh, il est beaucoup trop mignon. Oh, les coloris, j'adore. Ici, normalement, il y a une plante. Ah, c'est celle-là, elle est cachée. Voilà, comme ceci. Ben, on est pas mal. Niveau entrée, est-ce qu'il y a des... oui, il y en a. Donc, on va enlever ça. Oh, il y a un nouvel évier. Oh, mais il y en a deux. Le salon. Alors, le salon. Il y a pas mal de choses à faire qui sont très, très bien. Ah, génial. Il y a la Méridienne. Oh, mais c'est trop bien. On peut moduler. Oh, mais c'est génial. C'est trop cool. Est-ce que ça se met tout seul? Donc ça, ça doit être le parterre et ça, ça doit être le accroché. Oh, ok. D'accord. Ça y est, je comprends. Faut le temps que ça monte. Ça, je le voudrais bien, mais on... Pas... Faut toujours que ça soit décalé. Mais je comprends pas. Pourquoi faut que ça soit décalé? C'est pas beau en décalé. Ça, c'est chouette. Mais je veux pas mettre celle-là dans cette construction. Je pense que je vais mettre celle-ci. Voilà le petit salon avec un petit peu de bazar. Je trouve que ça va très bien. Donc voici le salon. Donc on va faire la salle à manger. Ça du coup je vais le laisser là. Ça va très bien. Est-ce qu'il y a des nouvelles chaises? Celles-ci, elles sont magnifiques. Celle-là plus simple mais très belle aussi. Et celle-là, celle-là sublime. Oh, celles-là, elles sont trop belles. Moi, je veux les mêmes. Ah ouais, celles-là, elles sont vraiment trop belles. Je pense que je vais prendre celle-là. Les rideaux, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Oui, il y en a des nouveaux. Ah, motif sur motif, par contre. Il n'y en a pas des simples. Ben, voilà la cuisine. Hein, toute simple. Faudra que je teste si ça marche. Si ça fonctionne, franchement, c'est top. Mais je pense pas, elle est vraiment petite finalement, donc il faudra que je teste bien. On va faire la chambre. Voilà, c'est un joli dressing. Comme ça, on va mettre un petit tapis. Du coup, on va mettre celui-là, pourquoi pas. Il est très bien comme ça. Là, on va mettre une armoire. Une armoire, c'est pas du tout une armoire, je voulais dire, c'était une glace. Voilà, on est pas trop mal, une petite chambre famille parentale. C'est bien. C'est simple, mais c'est bien. Voilà, la salle de bain, il n'y a rien de nouveau, donc on va faire basique. Donc voici la salle de bain, hein, très simple, basique. J'ai utilisé du coup juste ces meubles-là du nouveau pack. Donc on peut augmenter. Donc on va faire les chambres, parce que c'est là-dedans qu'il y a les nouveaux trucs. Là, j'ai dit que c'était un bon bain, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait des lits de bon bain. Je sais qu'il y a ça, là, c'est très joli, ça, je vais le prendre. Mais après, ouais. Ou à ce moment-là, est-ce que je mets pas un lit de bambin plutôt, mais un lit d'enfant? Parce que, regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Il est trop beau. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau.
Ça, c'est trop mignon. Ça, j'adore ça. Ça, franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop chou. Voilà la chambre. Du coup, j'ai utilisé le lit, le fauteuil et c'est tout, je crois. Mais en tout cas, le lit, je l'adore. Il est trop beau avec ce petit détail-là. C'est vraiment trop mignon. Voilà, je vais faire la deuxième chambre. Je pense que la deuxième chambre, je sais pas trop ce que j'aimerais faire en deuxième chambre. Donc voici la chambre adolescente, très simple, entrée, ça fait très Ikea, mais j'aime bien, ça va. Je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas, j'ai presque tout pris. Là, j'ai pris le tableau, le lit, le bureau, la chaise, les canapés, la bibliothèque, et même le tableau et la lumière. Donc voilà, et là, on va faire un petit coin jeu, donc on va mettre la petite tente par ici. Donc voici le petit coin jeu, le petit coin création, la salle de bain basique avec les toilettes basiques bien évidemment. Donc voici le haut et le rez-de-chaussée. Je vais m'occuper de l'extérieur et on se retrouve après. Donc voici la maison finale, à quoi elle ressemble. Donc le petit jardin que voici et la petite terrasse que voilà, tout simple. Donc j'ai testé, tout fonctionne sauf le lavabo qui était ici. Donc je l'ai enlevé, le four bien évidemment du coup ne fonctionne pas, donc je l'ai mis en bas. Il peut manger sur cette table, donc ça c'est cool, comme voici. Et ben voilà, du coup je pense qu'on a fini pour ce shale. Mes impressions sur le pack, comment dire, il y a des belles choses, mais je trouve que c'est pas fini en fait, comme beaucoup de d'avis. Comme on a pu le voir pour les meubles, on peut pas mettre en dessous si on a mis au-dessus, enfin c'est bizarrement fait vu qu'il y a le placement automatique, c'est bizarre. C'est bizarre. Après, il y a de très belles choses, hein, et moi je suis très contente de l'avoir pris, donc je ne regrette pas, mais c'est pas fini. Il faut voir maintenant le let's play. Je pense que je le testerai hors caméra, moi toute seule, parce que il y a bien assez de youtubeurs qui ont fait des let's play dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le petit shale ben, vous trouvez satisfaisant. Moi je suis pas trop déçue, ça va encore. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et puis abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Deg deg.